Mesdames, Messieurs, frères, accès, compatriotes, moi, yo, tout collaborateur qui connecté tout partout dans le monde, là. Bonjour, bonsoir pour nous tous, qui j'en ouye. Nami quoi, c'est toujours ami, nous, frère, nous, merci Dieu, si avec même l'amour, même plaisir, même détermination, même respect, nous tous gagnons pour l'autre, toute équipe là, avec nous, rencontrer. Une autre fois, m'a dit merci, merci ou fait une confiance pour capable informer, merci pour fidélité et patience. Et si c'est pour la première fois ou tomber sous channel ça, m'a souhaité au bienvenue et sous remettre avec en fait là, pas hésiter à abonner, activer cloche notification pour capable toujours être informé. Jeudi à ce mercredi, n'a vivre mercredi 30 novembre, toute équipe là avec nous côté rentrer la caillou, nous pour partager avec toute nouvelle cap dominer actualité là. Mais bien avant nous connecter avec ça nouvelle là, nous pour voyager garder pour nous qui ça le nouvel liste publié pour jeudi mercredi. Chambre Sénat américain voté une loi qui protège tout homosexuel qui vivent dans tout 50 états américains. Une marche pacifique été organisée hier mardi pour dénoncer mauvais traitement que la République dominicaine a bail haïtien qui vivent dans pays ça. Premier ministre Ariel Henry et Cap Jewel président pays a déposé un gerfle dans mémoire victime Riel Vaillant yo. Attaque armée contre Sarah Hélène George, maître Renaud George a demandé une sanction contre tout acteur crime ça. Mirbalè, la police nationale d'Haïti a arrêté un individu pour kidnapping suivi de disparition de un timoun. La France a accordé près de 100 000 euros à pays Ukraine. Insécurité, quoi de bouquet vine impraticable. Eh bien, c'est ça, agent exécutif intérimaire fait qu'on est. Professeur Eric Calais, honoré par l'ambassade de la France pour travailler dans le pays d'Haïti avec l'autre pays. Sorti avril pour arriver mois octobre 2021. Organisation Négresse Marron recense 22 femmes assassinées par groupe gangio dans le pays d'Haïti. Ça, c'est quelques parmi journal que, pardon, ça, c'est quelques parmi titres que journal Le Nouveliste a publié pour jeudi mercredi. Moment arrivé, côté nous pour le connecter avec ça, le nouvel là, côté nous pour le présenter toutes informations. D'ailleurs, nous pour le présenter au journal créole Méga Matin. Méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien gagné sous la Tébéni. Avec sa nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Wakouti, Radio Mega, Go Radio 1, li fait 5 heures. 5 heures du matin, démarrer journée avec Mega Matin. Vous connaissez tout ce qui a passé dans la province, tant pour votre prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Mega Matin, journal créole Radio Mega, côté vérité son priorité. Mega Matin, 5h, 7h du matin, nous baille plus d'informations de tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Mega Matin. Premier journal Radio Mega qui passe sur réseau Radio Mega dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Jeudi à ce mercredi 30 novembre 2022. Bonjour, bonsoir tout le monde. Content pour le capable pour tes ballons. Troisième sortie journal Mega Matin sur antenne Radio Mega pour ce maintenant. Maintenant, 10 derniers sorties non, pour moi, novembre 2022. Hein. Bonjour, bonsoir avec Marcel Joseph qui a fait travail technique pour nous en Haïti. Nous la trié collaborateur dans Miami. Bonjour, Sévère. Bon la journée mercredi, messieurs. Bonjour, Blaise Peterson. Bonjour, Marcel Joseph. Bonjour, bonsoir tout le monde. Quel point l'avez-vous pour développer dans le journal là pour matin, mercredi, si là, Ariel Matia, c'était 29 novembre. Premier ministre Ariel Henry était déposé au bouquet Flaine dans l'école nationale. Une belle garde dans Riel Vaillant, côté plusieurs dizaines de monde est tombé en babal. Chef gouvernement dit qu'il y a un passé spécial pour les citoyens saillants qui étaient morts pour la démocratie. J'ai été déjà annoncé diverses organisations tant coupables d'AP, OHDH, garde et marché dans la rue Port-au-Prince pour continuer à dénoncer le gouvernement dominicain qui passe suspendre déporté à Haïtien Papi, Lac Pamacon. Marche ça, t'es sorti sous champ de masse pour boutons.
ministre d'ouvre ambassade à Dominicaine à Pétionville, responsable UHDHAL Alarmé Pierre Villus, encourage l'État haïtien pour responsabilité de la faveur migrant haïtien. Groupe Cap Api et réfugiés rapatriés ont plaidé en faveur solidarité communauté internationale dans l'idée pour défendre migrants haïtien au lac voisin. Pour parole Gala Sam qui est maman des ONU Rewe candidati, c'est le même conseil droit mouna en organisation SILA. Ensemble contre corruption, réagit après sanction autorité canadienne et américaine pour continuer série ancienne avec Axel Gauchabrac dans l'État à cause de guerre présumée implication avec Negaxam, une responsable fictice à Jocelyne Colam, des dirigeants dans l'État, prend disposition pour ouvrir enquête par eux pour jouer une vérité sur le dossier SILA. Alors que Fondation J'éclaire beaucoup de par eux-mêmes à l'épidirect FJKL pour un conseil électoral qui a venu là doué écarter tout SILA qui en bas sanction Canada et États-Unis. FJKL a mandé gouvernement nommé juge instruction à commissaire pour enquêter sur le dossier ça et puis exiger publication, déclaration patrimoine, tout le monde qui en bas sanction SILA. Après plusieurs mois, silence, Fédération nationale travail santé retourné dans la presse pour dénoncer autorité qui voulait une farine. Dernière fois, il a décidé de lever grève dans l'hôpital public. Président Fenatria Joseph Milo Félix a annoncé une levée campé général dans le système santé. N'a fait année ça, si vous pas jeune ajustement, ça débit et la trié. Ancien DGA et la police à Léon Charles est retourné devant juge Walter Razor Voltaire pour une troisième fois. Mais fois ça, l'été en confrontation directe avec Dimitri Erard, responsable USGPN, ensemble avec le coordonnateur sécurité présidentielle, qui c'est Jean Laguerre Civil. 28 novembre, ça fait 27 mois depuis Bâtonnet Montferré d'Orval, été assassiné 27 mois après. Dossier a toujours traîné dans la justice. Selon le secteur, nous c'est d'Orval. Malgré avocat et reconstitué dossier après disparition, bien sûr, dossier a toujours lagué dans un coin sans juge, selon maître Isui Kateofin. Femme qui fait petite pour soldat ministère Absidi, pour menace en bas, mais binu, peut-être, il a exigé application loi 4 juin 2014, là, sous paternité, maître Marie-Joseph qui fait révélation, ça a dénoncé silence autorité haïtienne, à Canas Sosini qui n'a pas fait rien pour permettre mesdames Sayo jouer une pension alimentaire malgré des décisions. Justice qui sortit en faveur. Point ça à cas divers plantes qu'elle fait essentiel dans le cadre de troisième parette journal Méga Matin pour semaine non, mais pour matin, mercredi 4 novembre 2022. Maintenant, qui vous le vrai journal avec M. Traverséo. Nous connaissons que nous sommes capables de traverser pour matin dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Nous avons pour aller dans diverses villes provinces ensemble avec différents correspondants. Nous avons l'idée pour nous capables de porter pour information. Nous connaissons comment ça est dans les affaires publiques primangères pour matin. Mercredi, c'est là qui côté collaborateur nous Abdias Aristide pralmené nous dans affaires primanger et nous apprenons tout comment ça y est dans affaires dollars, combien vous doit besoin pour un dollar américain selon BRH pour matin. Et dans fait journal, nous pralmené comment ça y est dans affaires temps avec Jean Wilner Sévère. Restez là, pas tout matin, bouton radio ou sous Radio Méga. On va suivre le journal Méga Matin. J'aime toujours dire le journal Méga Matin, c'est nouvelle nous bague. N'a pas tout dans quelques secondes. Ailleurs, m'a dit en là, c'était exactement 29 novembre 2022. Nous, on peut aller là avec exactement information ça que nous avons démarré et journal là pour matin là. Nous, on peut aller avec un bien concernant mes premiers ministres Ariel Henry, à toute et une équipe, l'itinéraire délégation ça. Donc, on est ailleurs, mardi 29 novembre là, c'était exactement date ça. Mais dans Ariel Vaillant, il y a un gros massacre ça qui est fait. Dans Ariel Vaillant, bien que PM Ariel Henry lui-même, hier matin, m'a dit, il a déposé un bouquet flé, un jefflé. Dans l'école nationale Argentine Bellegarde, il était déposé Jeffrey ça dans la mémoire. Monde qui t'a voté dans l'élection ça qui est faite en pays. Côté dans la date qui était 29 novembre 1987. Mais laisse ça, après le rempli des voix civiques. Et c'est après le premier pas vers la question de démocratie, selon ça qui dit le côté PM. Le 29 novembre 2022, là, qui marquait plus passer 30 l'année que nation lui-même a décidé là. T'es pris un chemin élection, t'es pris un chemin. Vote pour capable à voter. Dans l'occasion, PM Ariel Henry lui-même dit bon pensée spéciale pour tout monde sa yo, qui victime sa yo, rescapé sa yo, et toute famille monde qui même t'es victime dans le massacre ça qui t'est fait dans Ruelle Vaillant. D'après ça qui dit bon côté PM, non, j'en dis un qui t'es dans tête une délégation qui t'a déposé un bouquet flair dans Ruelle Vaillant, précisément zone école nationale Argentine Bellegarde, non, qui date ça qui marqué plus passé en trentaine d'années, côté que de monde qui prend chimie élection avec bulletin en meilleur.
nous avons voté, les salles, nous avons pris un chemin, question permettre que les vents démocratie soient capables de souffler ce pays et d'Haïti. Nous parlons avec question arrestation qui fait. Autorité policière, yo, gen Augustin Dinardo qui gen 23 l'année qui sorti Saint-Michel de la Talaye, ben la police a arrêté le Mirbalè pour implication présumée dans enlèvement suivi disparition. Waron yo Timoun 8 l'année, c'est le dien, le jeune arrestation Minessa te kidnappé dans quoi des bouquets dans fin mois d'octobre 2022. Bien que parents te Waron te bail l'argent, ravisseur te exigé pour libération victime, ben ravisseur te toujours séquestré jusqu'à ce que victime disparaisse. Dans le cadre dossier, ça, il y a Lounès Black, ainsi connu avec Madame Ni, qui avec Mimose Elvius, maman qui Augustin Dirmado, qui la police était déjà interpellé dans la ville, dans la ville Okaï, avec quoi des bouquets. N'a noté Black, c'est des chefs bande malfrasa. Quant à Madame Ni, il était pour mission pour capable de faire manger pour otage pour qu'on y a Augustin Dinardo en garde à vue en attendant suite judiciaire nécessaire. On a toujours été dans le cadre de la question la police elle-même qui a mené opération sérieusement dans le cadre de contrôle outil dans le fait d'Elma 33, une brigade de lutte contre les machines BLVV qui sont entités dans le DCPJ qui a arrêté le 29 novembre 2022. On s'est là Jérôme Josia Isaac, Valéus Pierre Venel, monsieur sont déportés, pays Canada déporté, monsieur ici, avec petit Peter Clivens pour détention illégale ZAM, selon ça qui dit, bon côté autorité policière, yo, mais yo t'est arrivé tout dans l'opération, ça qui est des machines qui étaient suspectes, qui étaient psychiques, qui individuels dans la machine, ça, et bien, j'ai des CPJ même qui t'a gagné information, contrôle sur machine, si là, pendant un dit cadre Tchèque Routine, ça, la police est arrivée saisie tout pendant la même opération, ça qui est mené, mais un dit Tchèque Routine, ça de préférence, mais si on te retape cadre couleur blanche qui est pour plaque AA-56-123, yon Toyota pick-up Hilux couleur blanche qui est pour plaque AA-58-078, bon pistolet Mac Glock calibre 40 série TC-Z-768 et trois chargeurs garnis selon ça la police est même mieux jeune, yon dit là dans le cas de Tchèque Sayo t'a fait et yon posé la patte sur trois individus Sayo que la police était suspecte et la police est arrivée poser la patte sur yon et après arrestation avec Sayo pour qu'on y a yon tous les trois yon après répondre question autorité yo dans la direction centrale police et judiciaire selon ça qui dit beaucoup d'autorité et policière yo. Nous poursuivons avec information yo, dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse, directeur général PNH, c'est Léon Charles qui était retourné devant juge Walter Wessier Voltaire pour une troisième fois. Fois ça, il était dans confrontation avec Dimitri Erard et puis ancien coordonnateur sécurité présidentielle là qui c'est Jean la guerre civile. On a toujours avancé là avec information toujours dans le journal Méga Matin pour nous capables exactement. Mais nous connaissons Léon Charles lui-même à l'époque, question assassinat, c'est président Jovenel Moïse Ali. C'était DGAI la police non qui donc gagne une question pour lui répondre avec autorité judiciaire yo. Même Jean gagne tout ça tout Dimitri Erard gagne toujours la guerre civile c'est et parmi le monde que autorité policière attendait là dans le cas de si ça même Jean gagne plus monde déjà attendait gagne plus monde tout qui vient arrestation yo et gagne l'autre monde autorité policière judiciaire même y a cherché Younet pour Joseph Félix Badio qui yo considéré comme auteur un dit intellectuel crime ça et Badio qui récemment là t'es metté yon un dit un autre vocal de yo ou t'es parlé en pile causé. N'avancez avec l'autre information dans le journal Méga Matin, diverses organisations parmi eux, PAPDA, PORDH, GAR, pour ne citer ça seulement organisé au marché pacifique, dans l'idée pour continuer à dénoncer. Le gouvernement dominicain a dit qu'il part suspendre, déporter par Pilak Pamakon, haïtien qui vive la CAIO. Massa est sorti chez Mars pour Albout, Douva, Consulat dominicaine qui est trouvé dans Pétionville. Secrétaire général PAPDA, Michel Meuse, a dénoncé le gouvernement haïtien, a dit qu'il retirait barricade Mounoua Lametti, a été metté pour protester contre sa cap passé dans le pays ici domaine. En écoutant professeur Camille Meurs dans le micro Alix Agoutier. Il a salué tout le monde qui était tombé le 29 novembre 1987. Il a rappelé que parmi nous qui étaient tombés, c'est un journaliste dominicain, Carlos Bouillon. Je dis, nous avons même force rétrograde, même force impérialiste. Il paraît qu'il est capable de bloquer rêve démocratie, peuple haïtien. Il paraît qu'il est capable de bloquer tout progrès dans le pays. Et je dis,
nous dans une situation extrêmement grave. Non seulement ces forces réactionnaires qui continuent à gouverner les pays, ces forces réactionnaires sérieuses qui ont fait alliance à la classe dominante dominicaine pour être capable de peser coup travailleurs à travailleuses haïtiens. Ce qui a passé jeudi en l'autre bord frontière par un nom, c'est chaque jour il y a masse pinaire accès à eux. C'est chaque jour il y a battu, c'est chaque jour il y a persécuté, il y a vivre avec la peur dans votre. Et quel que soit yo ancêtre, quel que soit ces petits mouns, quel que soit ces vieillards, yo tout en bas battu Saint-Domingue. L'ambiance qui est là aujourd'hui, c'est même ambiance qui est préparée massacre 1937, côté que nous avons le gouvernement la route, gouvernement Vincent, qui non seulement pas de protester face à massacre, mais qui a accepté aux 750 000 dollars, soi-disant pour dédommager pour massacre, ça qui était représenté 4 dollars par tête haïtien au touillé. Je tiens, nous voyons que le régime PHTK, dans la même continuité, l'État reste avec l'État Joule, l'État qui a craché sous dignité papa haïtien, l'État qui pas défendre papa haïtien, mais qui a lié avec l'ennemi papa haïtien. Pour nous rassembler aujourd'hui dans la marche patriotique, ça, pour être capable de dénoncer exactions qui a fait en République dominicaine contre frère avec ce nous, pour dénoncer violation de l'homme, pour nous dénoncer crime contre l'humanité qui a fait chaque jour en République dominicaine, et pour nous dénoncer tout complicité gouvernement haïtien, complicité l'État haïtien, qui non seulement par ramasser indignation qui traverse le pays, mais qui campait face à peuple haïtien, qui est capable de débloquer frontières en faveur commerçants dominicains, en faveur investisseurs dominicains. Ça qui a passé aujourd'hui soulevé indignation. Et nous-mêmes nous disons, peuple haïtien, prenne action New York dominicaine, nous pas pitié sans gardant, nous vous peuple qui campait, un peuple qui campait avec force, avec valeur dessaline, nous peuple qui campait avec force, valeur, tout esclave qui était bataille pour lâcher l'indépendance. Et je viens, cette même bataille là, nous besoin de faire pour nous capables de sortir pays dans la route, pour qu'à sortir pays dans l'humiliation, pour qu'à sortir pays dans la salle là. Je viens, nous devons ramasser caractère nous pour nous dire non à la honte, non à l'humiliation, non à classe des gens contre le travail haïtien. Vive indépendance, vive souveraineté, vive fraternité en tout peuple caraïbien qui teste vivre dans vous des peuples grand monde et qui décide de sortir en bas de votre pays impérialiste. Et voilà la déclaration professeur K. Michel Meur, c'est lui-même qui est responsable PAPDA, n'a fait qu'on est là. Il était fait discours ça devant collège devant l'école Argentine Bellegarde. Côté où tu as profité, même tout pendant que tu as fait Massila pour te déposer un bouquet flé dans nos victimes massacre Ariel Vaillant. Yo. Et bien pas oublier tout, c'était occasion tout pour te saluer mémoire Mounsa qui même perdu la vidéo dans Ariel Vaillant, mais tout pour te marcher, continuer à marcher pour arriver devant ambassade, devant consulat dominicain. Pétionville, toujours dans le même dossier, ça, Jean-William Siver. Oui, toujours dans le même dossier, ça, puisque c'est diverses personnalités publiques qui étaient là, notamment dans le secteur droits humains, responsable POHDH, Alermi Pierre Vénus, qui était présent dans le cadre de massacre, qui dénonçait silence complice, qui dit autorité haïtienne, au fait la situation compatriote haïtienne, l'autre bord frontière. Des fois, c'est doit expliquer situation ça, indigné comme citoyen haïtien, dans ce sens-là, encourager l'État haïtien pour responsabilité en faveur migrants haïtiens. Côté à l'ermi Pierre Villus, un ami quoi, Alix Gauthier. Nous là dans Macha pour nous porter solidarité avec les compatriotes de nous qui ont subi des actes de maltraitance, des actes de violence, humiliation en République dominicaine avec un gouvernement Abinadel qui montrait comportement discriminatoire, comportement raciste par rapport avec les migrants haïtiens. Côté, il y a déporté dans des conditions très 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 graves. Côté, ils ont violé droit et dignité. Côté, ils n'ont pas respecté les conventions qui ont rapport à droit sur migration. Ils n'ont pas respecté tout le protocole qui était signé entre l'État et l'État dominicain dans ce qui concerne le rapatriement. Donc, c'est vraiment avec un sentiment, on est capable de dire indignation, que nous, là, et matin, pour dénoncer l'agissement de l'État dominicain vis-à-vis des compatriotes. Mais en même temps, pour nous condamner et comportement irresponsable gouvernement de facto qui continue à afficher une attitude de silence par rapport avec sa réaction à vivre. Donc ouais, c'est vraiment un comportement la honte par rapport avec humiliation et souffrance et migrants haïtiens a subi à la République dominicaine.
alors que l'autorité qui l'a eu, qui t'a dû prendre des mesures pour exprimer réprobation par rapport avec l'agissement de l'État dominicain, eh bien, nous c'est eux-mêmes qui potaient coller pour défendre l'intérêt des commerçants dominicains et commerçants haïtiens, côté ils ont décidé de marcher, cracher son initiative population civile dans Wana Metatepan. Ça ne veut pas chercher, discuter, négocier, prendre des mesures qui sont capables de protéger les droits à dignité et compatriotes qui ont subi toute qualité de violence en République dominicaine. Yon l'autre côté, Alermi et Pierre Velus, les mêmes plaidés en faveur de la solidarité, communauté internationale dans l'idée pour défendre les migrants haïtiens, la caille voisin à Capé et la Turquie. Alermi et Pierre Velus a encouragé l'ONU pour réviser candidatie Saint-Domingue dans un conseil de Guamoun, dans l'ONU. En côté, Alermi et Pierre Velus, dans le micro, Alix Gauthier. Dans ce sens, on a profité de lancer un appel en solidarité régionale et internationale par rapport à la question ça, pour que nous capables de forcer l'État dominicain à respecter la convention qui vient à la question de droit à migration, respecter le protocole sur la question de rapatriement, respecter le droit à la dignité migrant. Parce que celles sont à reprocher des compatriotes, c'est qu'ils sont dans des conditions irrégulières. Mais le fait qu'ils sont dans des conditions irrégulières, ça paraît retirer pour autant le droit à gagner pour protéger eux. Qui n'ont pas subi des actes de violence, qui n'ont pas subi des actes de discrimination, qui n'ont pas subi des actes de maltraitance. Donc, attitude que le gouvernement dominicain a affiché là, il pousse nous à quand même lancer un appel, parce que nous connaissons la République dominicaine qui est candidate pour le Conseil des droits de l'homme 2024-2026, et dans ce sens-là, on a lancé un appel pour qu'au niveau de l'ONU, on remise la question qui fait des candidatures, ça, parce que attitude ça, l'État dominicain a affiché là, il est contraire à toute convention qui n'y a pas question de monde qui est aussi. On a toujours été sous même dossier ça. Froid ça, nous parler avec un autre groupe dans le secteur droits humains qui est dans cas d'activité ça, responsable communication groupe Capapi réfugiés et rapatriés. Sam Guillaume m'a encouragé l'État ici pour prendre bon genre disposition pour empêcher les citoyens de continuer à passer péripéties dans mes dominicains. Toutefois, il a encouragé l'Organisation Nations Unies, même genre avec Alermi Pierre Vénus, pour rejeter candidature République dominicaine. En côté Sam Guillaume, dans le micro Alex Gauthier. Avec un paquet d'organisations de la monde qui levé pour nous dire non à Zach Maspinaï, haïssez nous, prenez nous, c'est nous, à subir en République dominicaine. Parce que haïtiens qui trouvent en République dominicaine, ce n'est pas de terroristes que vous êtes, ce n'est pas de criminels que vous êtes, vous n'avez pas mérité le traitement que vous avez dans ce domaine. Donc c'est des gens qui traversent notre bois pour aller chercher la vie meilleure. C'est des gens qui traversent notre bois pour aller bailler sans eux, pour voir entreprise dans ce domaine, capable de grandir, capable de fleurir. Donc je ne veux pas dire, nous ne pouvons pas tolérer, oui, à traiter comme ça. C'est chaque jour, comme en fait, à venir nous voter, pour dire qu'il y a un pile là-dedans, c'est sous mon terrain pour ces petits. C'est chaque jour qu'il y a une famille qui a craqué, petit qui a perdu parents qui a perdu petit. Parce que les déportés, ils ont craqué la famille. Nous ne pouvons pas tolérer, et je vous dis à nous camper pour nous dire non. La barrière, c'est nous à l'État, l'État pays nous, qui est inexistant jusqu'à présent, qui ne va pas être tête, qui ne va jamais dire un mot, qui font silence. Il y a un silence qui est complice. Et s'il n'est pas complice, il suppose lever le petit doigt pour lui prononcer cette situation, pour prendre des sanctions sévères contre la République dominicaine. Et nous saluons la population de Wanamène qui est levé campé, qui est dit non, qui est bloqué les frontières et fait tout ça qu'on est capable de faire pour capable nettoyer et faire belter sous frontières. Et malheureusement, nous avons l'État complice nous. L'État qui s'est fait silence complice est obligé de sortir dans le silence pour prendre des décisions pour délouvrir les frontières. Et malheureusement, nous avons l'État qui n'est pas conscient, nous avons l'État qui n'est pas en charge de responsabilité. Malheureusement, la base c'est nous, la communauté internationale, là, pour être capable de sanctionner la République dominicaine. Nous avons demandé pour l'ONU, capable de rejeter la candidature de la République dominicaine, rappelé intégrer le conseil de l'ONU pour 2024-2026. Toujours dans le même dossier ça, on peut le voir continuer à lever pour dénoncer face aux autorités dominicaines, eux-mêmes à déporter haïtien, yo, responsable alternatif socialiste qui c'est docteur Enol Buteau. Quoi, c'est pas une surprise pour lui, conservateur dominicain, eux-mêmes était toujours contre présence haïtien la caillou. Il était profité de garder aspect politique et historique dans le dossier ça qui gagnait entre deux pays. Reportage Jean-Philippe Massé. Dossier haïtiano-dominicain continue à occuper des bails ou pas bon ici. C'est presque tout secteur qui a réfléchi
et puis par opinion sur crise migratoire ça qui éclate à des pays responsable alternatif socialiste docteur Inol Bitokwe ça haïtien à vivre la caille voisin c'est conséquence position un groupe ultranationaliste dominicain qui pas jamais moi à gonger migration haïtien la caillou donc directeur immigration République dominicaine qui était écrit président dominicain Trujillo à l'époque pour te dire encourager l'immigration, mais surtout l'immigration blanche. Il était dit que c'est blanc pour qu'il puisse en dominicain. Et ça, c'est une constitution composante permanente dans la structure idéologique sous d'arrivée pays et République dominicaine. Bon couche et blancophile qui est très, très mince d'ailleurs, je ne sais pas. Mais il y a rien de réflexe suprémaciste. Autorité dominicaine ou prend habitude tout, utiliser dossier déportation haïtien pour boucher le peuple dominicain qui souvent a souffri alors que l'autre petit groupe capitaliste a bien passé sous même bout de terre. Vous faites dans des circonstances. Soit c'est le gros trouble en Haïti, soit c'est le oligarchie dominicaine a besoin d'utiliser l'élément race là, l'élément Haïti. Pour faire politique, pour être capable uniquement d'utiliser, vous faites des déportations et vous faites les façons les plus. La plus sauvage possible, parce que ils ont réussi à convaincre ou bien ils ont pénétré dans cette classe défavorisée dominicaine que le problème dominicain, République dominicaine, c'est Haïti, alors que le problème République dominicaine, c'est répartition inégale, travail et capital. Dirigeants politiques là posaient cette les questions pour qu'ils soient dominicains, souvent déportés haïtiens. Alors ce qu'il y a l'autre étranger illégal qui a flâné libre et libéré en République dominicaine. Même pays ça, par exemple, les États-Unis, y compris la République dominicaine, on va prendre que c'est haïtien seulement que vous pour chasser comme ça, ou pas pour chasser l'autre monde, par exemple, européen, qui est la République dominicaine, même le illégal, mais pas pour chasser. Donc tout cela, c'est pour vous dire que il est toujours dans un contexte historique, il est toujours dans un contexte économique, et toujours également. Dans un contexte politique déterminé. Puis gros problème dans le pays d'Haïti, pas jamais gagné un gouvernement qui campe pour défendre les haïtiens. Autorité ou pas bon ici, souvent plutôt prend défense. Oligarchie dominicaine, docteur Bito prend comme exemple comportement président Stenio Vincent, époque massacre 1937 là. Là par exemple, il a tué 27 000 monde. Et 27 000 monde, vous me répétez pas, mais en 1937. Eh bien, président Vincent, il a accepté $750,000. Ce qui te représente moins de $4 par tête d'Haïtien qui mourit. Cause ça a été levé plume sous dos certains militants dans la société civile l'époque là. Je dis ça là, ça m'a fait ça parce que lorsqu'on est quand vous connaissez le Bosséminus Perrin, Papa Fritz Perrin, militant contemporain, non, il mourit l'année passée. Mais Bosséminus Perrin, tu as pas le fond coup d'État pour te soulever l'armée d'Haïti pour aller attaquer la République dominicaine. C'est-à-dire que nous pas toujours pitié sans d'abord, nous toujours gagnons. Malheureusement, ça vient plus grave, les natéris dans le régime PHTK. Responsable à soi, songer, façon ancien président Michel Martelly, t'as négocié en bas table avec autorité dominicaine, pour t'empêcher de tomber en bas sanction communauté internationale, là, pour décret dénationalisation 2013, là. Mais c'est ça qui représente Martelly, le, après résolution 168-13 République dominicaine, en 2013. Côté que tout pays, là, on a soulevé contre République dominicaine. Martelly passe par en bas la négociation de la République dominicaine pour bagarre la parler sous scène internationale. La République dominicaine fait ça avec lui et puis l'accepter. Alors que pour une fois pour toute la République dominicaine n'a pas gagné, mais l'international n'a pas joué. Martelly dit on fait la deux, on négocie à deux. Mais type de monde qui est dans ce pays noir. En tout cas, responsable alternatif socialiste, c'est le sac qui a sauvé face à la situation. C'est un État fort avec dirigeant compétent. Responsable qui a défendu les terres nations, docteur Bito encourage la population, bataille pour suspendre casser tête tournée, car les jeunes pour vivre mettre dans la tête pays, y a citoyen qui qualifié. Jean-Philippe Masséan, Radio Méga. Merci en pile, Jean-Philippe Masséan, réaction qui en pile, bon côté divers acteurs.